Bonjour à tous et à tous, c'est l'an 9726, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Donc aujourd'hui on va se faire un petit assaut, on va faire la sonnerie noire, le trafiquant d'armes. Donc comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Abonnez-vous, je vous le dis maintenant, mais très peu le font encore. Abonnez-vous, hein, franchement c'est très important pour moi. Activez la cloche de notification, après c'est pour vous, c'est si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos, des nouvelles sorties vidéo que je vais faire, des futurs lives que je ferai. Donc sur ce les amis, quoi de plus à vous dire, mis à part de vous souhaiter un bon visionnage. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao. Il n'y a plus d'ennemis dedans, mais il y en a plein dehors. Allons vers un terminal pour que je puisse nous sortir d'ici. On dirait que le réseau de ZAN n'est pas le même que celui de la Légion Rouge. C'est bon signe ou mauvais signe? Je rêve ou je viens de voir une fusée lumineuse dans le ciel? Écoutez, ça ne sert à rien de se demander ce que vous avez vu dans le ciel, ou même quel ennemi vient d'appeler des renforts. Il est comme toi, celui-là. Merci du compliment. Merci d'avoir déplacé ce char. Dirigez-vous vers la pile à combustible solaire. J'y crois pas. T'avais raison. Elle l'a pris? C'est ce que j'aurais fait moi aussi. Ce n'est vraiment pas un exemple à suivre. Ça avait l'air d'un bon dunk. Un dunk? Oui, c'est le mot que les gardiens utilisent quand ils balancent une pile à combustible radioactif dans une bouche d'aération, tu ne comprendrais pas. Nous n'avons toujours pas trouvé ZAN. Généralement, les cabales veulent qu'on les trouve. Il ne s'agit pas d'un rhino de l'espace comme les autres, et ses armes sont plutôt sympas. Ses armes ont tué beaucoup trop de gens bien. Oh, bien sûr, il a amplement mérité tout ce que cette escouade va lui faire subir, comme tous les autres. Eh bien, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, justement, au sujet du Oruban... Les vaisseaux Cabal ont vraiment de drôles de noms. Je crois que c'était Orobas Vectura. Voilà, c'est ça. Après que vous nous ayez débarrassé de Thumos, ZAN s'y est installé. Il est quelque part là-dedans. Et nous revoilà dans le vaisseau. ZAN, nous venons te chercher. Il a fait beaucoup de mal. Ne le ménagez pas. Cet endroit était nettement plus agréable sans ce gros char Cabal. Pourquoi aurait-il besoin d'un char à l'intérieur d'un vaisseau? Parce que ZAN commence à avoir peur. Ne lâchez rien. C'est pas vrai. Encore un char?
Gardien à terre. Zan est là. Et les tourelles, est-ce qu'il a ses tourelles à lance-flammes? Oui. Gardien à terre. Gardien à terre.
sommes. Et pour toi, c'est le terminus, Brachus-san. Attention devant vous et derrière. En gros, faites attention tout autour de vous. À terre. Cible éliminée. Bon travail, cher escouade. Ok, vous êtes beaucoup trop sérieux. Où est votre fougue? Où sont les cris de joie? Hein? Le boulot est terminé, Cade. Tu n'as qu'à pousser des cris de joie toi-même. Je ne m'en priverai pas.